les amis, petite vidéo aujourd'hui. Ouais, en compagnie de... Les beaux jours sont là, donc on profite, on fait de la présentation auto. Voilà, c'est-à-dire que là, on est sur du lourd, vraiment lourd. C'est... je suis assez content, je vous présente ma voiture. C'est la voiture plaisir, voilà. Celle-là. Ça, c'est ma petite voiture de week-end. Bien évidemment, je rigole, je n'ai pas les sous. Hein. Merci Georges, merci à toi Georges. C'est la voiture, it's the car of my father. Donc c'est la voiture mon père, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Petite présentation aujourd'hui, je tiens à préciser qu'on ne va pas la massacrer. Hein. C'est pas le genre de la maison là. Non, on va respecter un minimum de la voiture. Bon, ceux qui viendront à la chaîne présenter leur voiture, qui veulent massacrer leur auto, grand bien vous fasse. Voilà. Hein, on dirait. Là-dessus, les gars, vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est pas notre voiture. De 1. Ouais, non, c'est la voiture de mon papa. D'ailleurs, merci à lui de m'avoir prêté parce que c'est pas son genre de trop laisser la voiture à son fils. Hein. Non, mais merci à lui. Et voilà, il nous fait confiance, donc on va pas trahir sa confiance. Donc aujourd'hui, les amis, on vous présente une petite TT MK2, 3 litres de essence. Donc. VR6. Et non V6. Non. C'est important. Tension. Sinon, on risque de faire insulter dans les commentaires. Pensez à Coupable de tout qui connaît ce moteur sur le bout de doigt. Et j'ai appris énormément de trucs sur ces vidéos. Ouais. Et sincèrement, non, c'est un VR6. Boîte méca. Boîte méca. Boîte méca. Et suspension sport. R-Ride, ouais. Ça s'appelle. Ouais. Non, c'est pas R-Ride, c'est Magnetic Ride. Après, ça, c'est toi qui connais plus le sujet que moi. Mais On en parlera ça juste après. Hein. Donc, on commence par l'extérieur, comme d'habitude. On a trouvé un endroit assez sympathique, le même cas 208. Mais sauf que là, il fait beau. Il fait beau et il n'y a pas de vent. Aussi. Ça, c'est important parce que franchement, la vidéo d'Alfa Romeo, c'était quelque chose. Ah oui, on s'en rappellera, va. Donc les amis, c'est une TT MK2 3 litres 2. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une phase 1. On peut les reconnaître notamment... Alors, avant toute chose, je ne suis pas expert Audi TT. Hein. Juste... Audi. Voilà. Merci Dorian qui m'a offert ce t-shirt quand j'avais ma petite Audi. C'est une phase 1, donc on peut les reconnaître notamment au feu. Les phases 2, ils ont un petit bandeau LED. Ouais, le bandeau LED qui court tout le long du phare. Petit pointier blanc, ouais. Qui est très joli d'ailleurs. Ouais, on s'est renseigné pour le prix de ces phares-là. Non. 700 euros en adaptable, il me semble. Non. On s'est vite calmé, hein. D'un seul coup, non. Non. Ce n'est pas une S-Line. Il y a les pare-chocs, ça existe les pare-chocs S-Line sur ce genre de modèle, les 3 litres 2 et tout ça, qui est beaucoup plus beau à mon avis. Mais celle-là, elle est quand même super jolie. Elle est jolie. Bah, de toute façon, les TT en soi, elles restent assez jolies. À mon goût, bien évidemment. Vous remarquerez les petits cache-plaques parce qu'on n'a pas les sous hein, chez Cascar Passé encore une fois. Hein. Voilà. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas les finances. Non. Donc, Diaz Detailing, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait pour ma petite page perso de detailing justement. Donc, le lien sera dans la description au cas où, les gars. Petit Quattro. Petit sigle Quattro. Qui fait bien du plaisir. Voilà. Donc, petite précision, ce n'est pas un Quattro permanent. Chez Audi, je crois qu'il n'existe que deux types de Quattro, le Torsen et le Aldex. Aldex, c'est celle-là. Donc, c'est un Quattro débrayable. En fait, c'est une traction. Et quand elle a besoin, elle se met en Quattro. Il y a les roues arrière qui sont entraînées par je crois que ça me par le renvoi d'angle. Le SP rentre en jeu, c'est une connerie comme ça. Je ne saurais pas trop, c'est assez complexe quand même comme système. Mais il y a un système de renvoi d'angle qui est assez chié là-dessus d'ailleurs. Bah, non, c'est pas permanent quoi, les torsions eux ils sont permanents. Ouais. Et puis fun à conduire. Mais bon, c'est pas mal. Il y a du fun. Donc petites modifs qui ont été faites dessus, juste les jantes. Audi RS4. RS4. Combien de pouces déjà? 19. 19 il me semble, ouais. 19 pouces, ouais. Ouais, 19 pouces. Bah, on les a achetés, enfin mon père les a achetés, et on les a fait repeindre, donc là ils sont neufs de chez neufs. Elles ont été refaites et repeintes, voilà. Elles ont été repeintes, on les a fait nous-mêmes, hein. Le ponçage, masticage, on l'a fait nous-mêmes, comme ça le... Le peintre avait juste à... Ah, voilà, fais ton travail de peintre. Donc voilà, on a quand même des gros disques. Pas percé ventilé, c'est dommage. Non. Même ma 208, elle les a. Ça va se faire, on va les changer quand il y aura besoin, on mettra des percés ventilés. Mais à savoir que c'est une TT qui se respecte, les freins Queen. Non, légèrement, il y a un léger queenement. Ouais, mais... Non, ça va, ça va. C'est plus les TT RS et les RS3 et tout ça, tout son tralala.
Donc, explique-nous un peu à l'extérieur là. Une belle petite peinture, un gris, je sais même plus comment il s'appelle. C'est pas gris comète ou un truc comme ça, je sais plus. Non, gris comète, c'est pas sur. Je crois pas que ce soit chez lui. C'est même gris sidéral. Gris sidéral, c'est les couleurs d'iPhone. Je dis de la merde. Donc c'est un gris bizarre. Il y a un nom parce qu'à un moment donné on voulait refaire. C'est une, vraiment une belle teinte. Par contre c'est une teinte en plein soleil, ça qui est très sympa. Bien. Je pense que ça va être difficile de ressortir à la caméra. C'est nous on aime beaucoup hein, de ce qu'on peut voir. Après c'est un joli gris. On est entre le gris métallisé et le gris anthracite. C'est un entre deux. J'ai l'impression qu'il y a une petite notion de vert. Oui, il y a une légère teinte de vert. Ouais, on dirait. C'est ouais non il y a. C'est vraiment une couleur bah, un peu comme la 208 qui est un peu il y a du bleu et du violet. C'est un bleu violet. C'est là c'est pareil, c'est une peinture qui a deux teintes à l'intérieur. Là ça va être compliqué, là on a vraiment l'impression c'est un gris qui fait un petit peu vers le. Ouais, il y a une légère teinte de vert dessus, ouais, tout à fait. Donc les feux, bah feux halogènes, hein, c'est pas du LED. Sur ces modèles-là, il n'y avait pas de halède, il me semble. Voilà, le petit aileron qui fait plaisir. Mmh. Bien évidemment, quand on la conduit, moi je la sors toujours. Un Solange que vous. Même en étant à l'arrêt. Voilà. La preuve. Petit aussi du Quattro, Audi TT, cache plaque. Gaz detailing. double sortie d'échappement. Qui d'ailleurs, elle fait un beau bruit. Bah d'ailleurs, ce moteur-là, ils sont reconnus pour leur sonorité. Ça fait un bruit qui est magnifique. Un son. Un puriste, il dit son, il dit pas de bruit. C'est un oui. Son, monsieur. Tape-moi. Ouais. Non, elle a une, vraiment une belle ligne qui est quand même très. Qui est juste magnifique en fait. La ligne TT est très jolie. Comme vous pouvez le voir. La peinture est très bien entretenue. Elle a été repeinte. Il y a quelques éléments qui ont été repeints. Bon, après, il y a le pare-choc à l'arrière qui a un petit peu. Ouais, qui a une petite imperfection. Mais voilà. Et bon, ça, après, malheureusement, hein, voiture d'occasion. Ouais, c'est une voiture qui est de 2007 quand même. Hein. Voilà, faut en prendre connaissance. Et le garder à l'esprit. Mais non, vraiment une très belle ligne. Elle est plus jolie avec les jantes RS4 que les jantes qu'elle avait à l'origine. Ouais, parce qu'elle avait du 16 pouces, il me semble. Je sais plus si c'était 16 ou 16. Est passé à ça de la jante, hein, mon copain. non, mais c'était des jantes pas très très belles. Je sais pas si on va trouver une photo. Si on en a une, on la mettra. Mais moi, je l'ai connu quasiment tout le temps avec les jantes RS4. Les jantes de merde et le gros pneu de 4x4. Hein, voilà. Donc, il les a changés. Enfin, mon papa les a changés. Il a mis des bons pneus dessus. Bonne peinture, comme ça, on part sur les bonnes bases. Et voilà, extérieur, rien de plus affolant. Alors, il faut savoir que c'est une voiture 2007, c'est les premières séries. Et ce n'est pas une voiture qui est ultra bien optionnée. On va pas se mentir, nous, on cache pas. On est là pour présenter la voiture, donner ses avantages. On va pas se mentir de quoi que ce soit, on va pas dire que c'est une full option, comme beaucoup disent. Non, là, on n'est pas sur du full option. On est sur une voiture qui est bien optionnée, mais qui n'est pas non plus pétée d'options. Voilà, il manque quand même quelques options, je trouve. Bah après, c'est Audi. Hein. Audi, c'est les options sur la carte. Et paye. Comme ils disent nos amis, classe. Hein. Donc, non, faut payer pour avoir des options. Celle-là, elle en a pas énormément. Bien que, voilà. Non, ça fait le taf. Mais voilà. Voilà. C'est une voiture qui est pas très bornée. 119 000 km, même pas 120 000. Mon papa, il roule pas beaucoup avec. Temps de chauffe toujours respecté. Toujours, non, ça par contre. Non, ça, c'est pas pour déconner qu'on dit ça, c'est vraiment le cas. Voilà, mon père, il tient vraiment à cette voiture-là. Ce n'est pas un cache moteur. C'est vraiment le couvre culasse. C'est l'admission. Ça, c'est une admission. Ouais, non, c'est pas le couvre culasse, c'est l'admission. C'est le boîtier d'admission. Voilà. C'est la grosse admission. Putain, elle est chaude. Bah, c'est normal, hein. Mais. Une baie moteur. C'est beau, non, c'est joli. C'est très joli. Moteur très fiable. Juste, à ma connaissance, une petite maladie. Ouais. Le tendeur de chaîne qui a tendance à se fatiguer vers les 200 000. Mais après, c'est normal, t'es dans les zones où. Tu commences à avoir. T'es dans ces entretiens-là. C'est normal. Mais après, une voiture qui a toujours été bien entretenue, si tu respectes tes vidanges, etc. Voilà, en fait, c'est éviter le long life, d'après ce que j'ai compris. Oui, le long life, si on veut des exemples, Coupable de Tout saura tout merdique. Nous expliquer. Voilà. Allez voir ces vidéos si vous voulez connaître un peu en plus en profondeur sur le moteur. Nous, on connaît un petit peu, mais on n'est pas non plus des professionnels. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est sur
Nous, on est des branleurs comparé à lui. Hein. Voilà. C'est... Mais voilà, c'est un moteur très fiable, qui a une belle sonorité. Alors, pour les fanboys de Audi, ce n'est pas un moteur, il a 250 chevaux, ce n'est pas un moteur, comment dire, c'est pas un moteur de chrono. C'est un moteur plaisir. Voilà, c'est vraiment un moteur de cruise, c'est une voiture cruise. Cruise. Tu cruises toi, cruise, non? C'est cruise, je sais même plus. C'est cruise control. Donc voilà, c'est vraiment une voiture de kiffons. On n'est pas là pour faire des chronos et change vitesse et tout. Enfin, c'est pas du tout le but. Non, du tout. À tel point qu'un 2 litres turbo, donc il y a le 2 litres TFSI. Le 2 litres turbo, lui, il lui met pas la fessée. Il va pas plus vite. Mais presque. 2 litres TFSI qu'on retrouve dans la S3, hein, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, mais c'est déjà plus de patates et tout le train. Je sais pas si c'est la même base moteur. Comment ? Je sais pas si c'est la même base moteur. Non. Mais en tout cas, par exemple, c'est un 4 cylindres. Voilà, mais les Sirocco 2 litres, les TT 2 litres et tout ça, bah ça suit un petit peu quand même. Hein. C'est pas... Et pourtant, ça a 50 chevaux moins. Mais vu que c'est en turbo, bah, patate à bas régime, et elle, il faut monter dans les tours. Mais à la limite, ça lui fait son charme. Bah c'est ça. D'ailleurs, les amis, si vous voulez en acheter une, je vous conseille fortement d'en acheter une maintenant. Parce que les cotes, ça monte, hein. Ah, c'est-à-dire que ça peut être un placement intéressant, mais par contre, c'est une voiture à respecter quand même. Nous on respecte. Et voilà, nous on va pas parler de prix parce que voilà, j'ai pas demandé la permission à mon père et tout ça. Mais là c'est purement. Là pour le coup, si on vend la voiture achetée il y a 2-3 ans, si on la vend, on gagne facile 3-4 000 euros. Oui, bah déjà dans l'état qu'elle est, l'entretien qu'elle a aussi. Bon, les dernières vidanges, on les a fait, mais bon, il y a les photos à l'appui, il y a les factures des pièces achetées sur internet. On a fait vidange moteur, boîte, pont. Puis on n'est pas là pour la vendre. Non, mais pas là pour la vendre. Mon papa, il veut pas la vendre. Après, elles valent un peu plus cher en boîte méca parce qu'elles sont un petit peu plus rares. Il y en a moins. Ouais, et les décapotables. Alors, certains disent que les décapotables valent moins cher. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, les décapotables vaudraient plus cher? Je pense. Ouais. Nous, on a failli acheter une décapotable boîte méca 3,2 litres, à peu près les mêmes kilomètres, sauf que le monsieur, il l'a vendu avant qu'on l'achète. Pourtant, on avait été voir la voiture et tout. Mais ça s'est fait à 2 jours près. Donc voilà. Celle-là, maintenant elle est à nous, on est content, elle marche très bien, elle se porte très bien. La seule truc qu'on a eu c'est en niveau de panne, c'était même pas une vraie panne en fait, c'est un petit bouchon qu'il y a sur la culasse qui a commencé à sentir un petit peu du liquide refroidissement. Donc on l'a changé et voilà, ça s'est fait en 20 minutes et ça a coûté 3 euros chaud. Donc les intérieurs, attends, tu passes le bigot. Oui, je filme un petit peu ici. Alors déjà sur les portières, peut-être passer là comme ça. Donc ça se présente comme ça, du bon plastique. Bon là c'est un produit qui est un petit peu coulé, vous m'excuserez. Donc ici les petites commandes pour les rétroviseurs. Les petits boutons pour les vitres. Et voilà, je repasse le bigot à monsieur Seb, le monteur. Je vois quand même le pas parce qu'il fait chaud. Il fait extrêmement chaud dans la voiture. On est transpiré comme des gros porcs. Surtout moi. Ça pue. C'est-à-dire que là, ça sent le bovin, quoi. Ah, ça sent l'animal. Ça sent le chacal. Donc voilà, boîte 6. Boîte méca. 6, méca. Clim, on est pas sur de la clim bison, on est sur de la clim auto classique. Ouais. C'est la même température partout. Non, après, bah, c'est simpliste, c'est sport, c'est efficace. Et on peut pas, voilà. On peut pas dire mieux. Par contre, n'ayez pas d'enfants. Clairement, n'ayez pas d'enfants. C'est vraiment de l'insolence. Autant, c'est pas autant rien mettre en fait. Ouais, autant faire comme dans les Porsche. Bah, déjà, on va vous montrer un petit truc, ça va être drôle ça. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer un petit truc. Moi, je fais 1m80. Voilà, moi je fais 1m78. On avance le siège quand même, parce que c'est long. Hein. Alors, oui, ça, c'est long. C'est... Faut pas être pressé. Les sièges ont été faits en Suisse. Voilà. Donc moi, si je rentre derrière. Bah voilà. Démonstration. Et en fait, faut ouvrir le coffre, vous voyez. C'est-à-dire que là, t'es en train de salir toute la vitre arrière. Juste avec tes cheveux. Voilà. Bon, je nettoierai la vitre. Grand air. Mais là, t'es bien. Ah oui. Mais alors, j'ai l'air d'un con derrière. Voilà. Mais 1m80. C'est-à-dire que. Soit vous avez une copine qui fait 1m30. C'est bien. Un petit nain.
Ça fait plaisir. Non, mais ou alors un gosse qui n'a pas de jambes. Un hameton. Parce que regardez, Seb. Ah, moi, je suis bien. Là, moi, j'ai toute la place. Voilà. Mais par contre. Non, sérieusement, installe-toi bien. Long. Installe-toi bien. Là, je suis bien. Voilà. C'est-à-dire que le siège doit être à fond. Donc là, moi, je suis bien au niveau jambes. Mais le conducteur, bah, doit faire 1m30. En fait, soit il y en a un qui fait 1m60. 1m60. Moi, je fais 1m78. 1m78, voilà. 1m78 pour monsieur. Et derrière, pas de place. Soit 1m30 devant et 1m80, mais ouvert. En semi-décapotable. Voilà. Tu vois, tu voulais une décapotable. Toujours aussi long. Mais au moins, t'es confort, t'es bien assis. Voilà. Voilà qui est mieux. Donc, je vous présente quand même le cockpit. Vas-y. Donc, les amis, ça se présente comme ça, vu de 10 chauffeurs. Si je mets le contact, bon, c'est une voiture 2007. Hein. L'entretien, vous inquiétez pas, il faut juste que je fasse ça à la valise. Donc, on va couper quand même la... Oh, ta gueule. Ah, tout de suite. Donc, forcément, petit écran rouge sur les phases 2, il est en couleur ou en bleu et noir, je sais plus. Peu de kilomètres, comme vous pouvez voir. Et la consommation, voilà. Et ça, c'est en roulant pépère, parce que nous, on tape pas dedans. Le petit volant méplat qui fait plaisir. La console centrale. Très orientée aussi au niveau du conducteur. La foule. Ouais, ça va, ça va. Il y a pire. Hein. Donc, petit intérieur vert. Sobre, efficace. Vert. Salut. Il y a encore l'étiquette d'origine. Oh putain. Ouais, ça fou. Se voit que. Ouais. Là, peut-être pas. Non, salut. Et voilà, donc petit rangement, il n'y en a pas beaucoup, hein, boîte à gants assez petite. Ouais, c'est. Tu mets une boîte de masque, c'est bon, il n'y a plus personne. Voilà, rangement sur les portes, mais pareil, c'est pas très grand non plus. Fifou, hein. Fifou. Ouais, non, après, bon, c'est niveau. Bah, c'est pas la voiture pour faire un voyage. Voilà, c'est à la limite, tu fais un voyage, mais vraiment, si tu veux partir en week-end à deux, voilà, c'est tout. Et voilà, tu fais 300 bornes et après, c'est bon. Parce après, t'as plus d'argent. Nous, on est en Ile-de-France, on l'a acheté dans le sud de la France. On a fait pas mal de bandes, 600, 700. C'est là où limite t'as le plus roulé, quoi. Et t'arrives à la fin, t'es un petit peu fatigué, quoi. Ouais. T'es un petit peu fatigué. Après, niveau finition, bah, on est sur de la bonne qualité quand même. C'est pas ce que Audi a fait de mieux. Mais on est sur du plastique moussé quand même. Plastique moussé. Sur toute la planche de bord. Ça, bon, il y a des petits jeux, ça après, c'est normal, hein, c'est pas une Rolls-Royce non plus. Ouais, mais ça c'est normal, c'est voilà. Les compteurs. Rencontre du plastique dur avec par le plastique. Par contre, un truc que j'ai vraiment. Putain, mais je ferme la porte moi. Par contre, un truc que j'ai vraiment horreur. Regardez ça. Déjà, ah oui, déjà que le plastique n'est pas fifou. Et alors ça. Ouais, non, c'est à dire que c'est. Ouais, c'est conceptuel quoi. C'est. boy. Arrête. Donc voilà, mis à part ça et quelques petits boutons qui prennent un petit peu, vous savez, la peinture qui s'écaille un petit peu. Comme, rien à dire. Voilà, comme ces boutons là justement. Comme sur l'Alpha par exemple. Voilà, l'Alpha c'est plus. Oui, non, ça devient gras. Ta gueule. C'est plus gras et collant. Ici, c'est vraiment la peinture qui s'écaille. Ouais. Mais si vous faites attention à vos ongles, ça ira très très bien. Tout à fait. Donc surtout toi qui as des beaux ongles. Niveau options, ce qui manque, non, on va commencer par les options. Il y a l'alarme. Je rouvre la porte à nouveau. Décidément, on fait que ça dans cette vidéo-là. C'est chaud. Donc, niveau options, il n'y a pas de feu automatique. Non, c'est détecteur de pluie. Il n'y a pas le rétro-chrome. Voilà, c'est ça. Il y a la clim automatique. Il y a la suspension magnétique rad. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Le petit aileron qui fait zizir. Reset de la pression des pneus. Voilà. Et l'ESP est basiquement. Bah, il y a le radar de recul. Voilà. Mais après, on a fait le tour. Hein. Voilà. Clairement, on a fait le tour. Et le gros moteur. Ça pousse. Le gros moteur. Ça, c'est important. Ferme pas la porte si tu la rouvres dans 10 secondes. Je pense qu'on va. On va aller faire un petit tour, ouais. Ouais, ouais. On va aller faire un tour. Donc, c'est bon, les gars, on est enfin en voiture. Donc, désolé pour la main qui passe devant l'écran. Peut-être la ventilation de celui-là, peut-être 40 ans. Ouais, peut-être, ouais.
Ah, faut le tourner, d'accord. Ouais, ouais, c'est Audi. Donc les amis, bah, quand, si vous entendez ce bout-là, c'est normal, c'est les faux contacts que j'ai sur les feux à l'arrière, enfin mon père, là c'est la voiture de mon père. Qu'on a donc rencontré. Voilà, voilà. Mais ça va être réglé et je vais en faire un tuto. C'est un problème assez connu, mais j'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube, donc je vais le faire. Comme ça, les propriétaires de ils pourront le faire eux-mêmes. C'est gratuit à faire en fait. C'est juste une petite modif à effectuer. Voilà, exactement. On va laisser passer le monsieur. Oui, passez monsieur. Donc, pour la présentation, enfin pour la partie conduite, agrément de conduite et tout, tralala, tout ce qui s'en suit. Belle moustache. Ah, vraiment, belle moustache. Alors, j'ai donné les points négatifs que je trouve personnellement sur la voiture et les positifs. Donc, négatif, le manque d'options qu'elle a. Des petits bruits de plastique, comme tu disais, mais léger. C'est vraiment léger, 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 parce que comparé à l'Alfa ou la 208, c'est... Ah bah là, c'est on est dans un autre monde. Hein. Voilà. C'est vraiment léger, c'est vraiment si vous prenez des trous ou quoi. Après, voilà, c'est pas... Audi TT, c'est pas la gamme de voiture. Ouais. Il y a le plus de, comment dire, de finition, mis à part ce foutu frein main de merde. Et les petits plastiques qui s'écaillent un peu. Voilà. Mais ça, alors, les plastiques qui s'écaillent quand même, c'est très Audi. Hein. Ouais. C'est vraiment très Audi parce que sur ton A3 avait eu le souci. Sur pas mal de modèles. Attends, on va laisser passer la jeune dame. Allez-y, madame. Allez-y. Non, par contre, après, bon, il y a des petits rappels comme ça à l'U qui sont sympas. Voilà, pour la qualité intérieure, on est vraiment pas mal. Ouais, non, c'est. Il n'y a pas beaucoup d'options comme tu disais, mais après. C'est. Et après, un autre truc que je déteste aussi, c'est le toucher de pédale. Alors, je sais pas si c'est d'origine ou si les mecs ils ont essayé de reprogrammer. Parce qu'ils touchent souvent au toucher de pédale, les mecs. Ils jouent sur la sensibilité de la pédale d'accélérateur, ouais, du coup. Les mecs ils savent pas trop comment faire, ils font de la merde. Je sais pas si ça a été fait ou c'est d'origine. Alors, ouais. En première et en deuxième, c'est vraiment une cata. Moi, j'arrive vraiment pas à gérer. C'est. Des fois, ma tête elle touche la putette. Ah, il y a les. Les pompiers. Les salut les gars. En fait, moi j'arrive vraiment pas à gérer. Des fois, tellement j'arrive pas à gérer, je me donne un coup de tête sur la pute-tête. Non, c'est vrai que par contre, bon, après, est-ce que la boîte méca aussi fait que vu qu'il n'y a pas de convertisseur de couple, etc. Non, je crois que c'est un embrayage sur ça. Oui, oui, non, mais c'est sur la boîte auto, c'est. Je crois que c'est une DSG et je crois que c'est embrayage. Mais je crois que c'est... Alors là, on va dire des conneries, donc on va. On va fermer notre gueule. Voilà, c'est ça, on va laisser les connaisseurs parler. Et donc voilà, pour les points négatifs, c'est tout ce que j'ai à dire. Point positif, moteur. Ce n'est pas comme digital d'ailleurs, ce n'est pas un moteur de course, mais c'est un nouveau moteur. Ouais. En fait, c'est simple. Vous coupez la climatisation, vous ouvrez les fenêtres, et là, c'est bonheur. Oh là là. Voilà. Ça, c'est vraiment. Non, on évite de faire le kéké en pleine ville. Et non, voilà, donc, oui. Il y a le moteur, comme je disais. Bonjour, madame. Il y a le moteur, j'ai la priorité, madame. Il y a l'agrément. Ça va être tape-cul. Ouais. Il y a l'agrément moteur, la ligne de la voiture, pas la rareté, mais le fait qu'elle soit un peu atypique comme voiture. C'est pas une voiture en vrai à monsieur tout le monde, on va dire. C'est pas tout le monde qui veut un coupé avec 4 places, mais 2 inutilisables. Une boîte manuelle. Voilà, qui est pas confortable. 250 chevaux vers 6. Voilà. C'est pas une voiture à monsieur tout le monde, on va dire. C'est-à-dire que là, on est sur du voiture plaisir, vraiment purement plaisir, quoi. Voilà. C'est le genre de voiture, t'as envie de te balader un dimanche après-midi, tu prends les clés, tu vas te promener. C'est, tu prends ta dose de kiff parce qu'en bon, en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu les meilleurs, on n'a pas pu profiter comme on voulait. Et c'est vrai que c'est un antidépresseur. C'est le genre de bagnole à te faire oublier un peu le quotidien. N'est-ce pas? C'est ça, c'est vraiment ça l'esprit. Je pense que l'esprit de voiture, c'est vraiment avec ce moteur là, c'est vraiment prendre son petit kiff, sonorité de fou, prendre son petit kiff et conduire tranquille. De temps en temps, on appuie dedans, mais voilà, c'est pas non plus c'est pas fait pour faire des cons en fait. C'est pas une voiture, c'est pas une pistarde. Même la TTS n'est pas une pistarde parce que j'en ai parlé avec quelques-uns qui se plaignent des freins et tout ça. Mais même, je crois que la TTRS qui est quand même plus. C'est plus pistarde, mais il y a plus pistarde qu'une TTRS. C'est ça. Mais c'est plus adapté pour. Non, mais après. Là, je fais un effort de malade pour pas donner des accos avec l'accélérateur. Concentre-toi. Voilà. Ouais. Mais voilà. Niveau moteur, c'est un moteur plaisir comme on n'arrête pas de le dire. Confort, ça va. Il y a mieux. Il y a largement mieux. Hein. Mais pour un petit coupé la gueule. De ce genre de.
de ce genre de... T'as dit que tu te retenais. Non, mais pour un coupé de ce genre-là, ça va, c'est pas fait pour un voyage. C'est juste agréable. Voilà, mais si vous faites, je sais pas, 30, 40, 50, 100 km pour le plaisir, ça le fait, vous aurez pas mal au dos. Petit week-end à Deauville, pourquoi pas. Voilà, oh. Par contre, si on appuie sur ce joli bouton. Ce joli bouton. Alors là, c'est la guerre. Là, c'est vraiment... Oh là, putain, arrête. Là, c'est vraiment la guerre. On va se téléporter. C'est vraiment tape cul, bah c'est une planche de bois en fait. C'est les sièges qui sont confortables, hein, deviennent une planche améliorée. Oh. Voilà. Bon ça. Ah putain. Par contre, on est synthéisé. On avait dit qu'on n'allait pas massacrer le moteur, on va pas le faire. Non, on va pas le faire. Oh. Petite Chrysler. Ouais. Ça serait pas le Cherami ça? Non, c'est pas, non. Non. Oui. Ah ouais, lui c'est bleu. Oui, et c'est un break. Salut Gilou. Ah oui, c'est vrai. Donc, voiture assez confortable pour son... Confortable. Pour sa catégorie de voiture. Du moment que tu restes sans les suspensions... Voilà, là j'ai désactivé d'ailleurs, je vais ouvrir le jeune aileron. Parce que là, du coup, ça envoie alors. Non. 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 C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Oh bâtard. Oh putain. Vas-y, on prend moi ça. Donc voilà, c'est... Ah putain. Ah le, du coup, le toucher de pédale. Okay. On vite la vitesse. Mmh. Parce qu'elle met un petit peu. On n'a pas dépassé une petite vitesse, monsieur. Toujours. Pas de ça chez nous. Pas chez KSTR Passion. Non. Niveau châssis, alors ça tient quand même vachement bien le pavé. Quoi trop. Voilà, il rentre en jeu quand il y a besoin. Mais pareil, vous pouvez aller sur piste avec. C'est pas une voiture faite pour, on est d'accord. C'est pas prévu pour, mais si vous faites un tour sur piste, c'est pas non plus désagréable. C'est pas du tout une baignoire, ça a tendance à s'ouvrir un petit peu. Baignoire, tu dis ce mot, baignoire. Ouais. T'as cru que t'étais chez Maison du Monde. Genre, Oh, putain, un petit peu de la route là. Oh putain. On va vous montrer quand même. Oh la vache. Cette voiture, c'est vraiment un... Même moi qui suis que passager, j'en prends plein les mirettes et... Non, c'est beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Oh putain de sa mère. Donc j'abuse pas trop parce que c'est pas ma voiture. T'avais dit pareil avec la 208. Ah, putain, le V6 il est là quoi. Donc voilà, c'est fini le moment de rouler. C'est bon, maintenant on s'est défoulé. Ah putain, conduite accompagnée. Oh merde. Tu veux pas pousser? Non. Là maintenant on s'assagit. Non mais voilà, vous avez vu, ça tient quand même le pavé. Je vais pas dire la vitesse à laquelle on roulait parce qu'on roulait à 90 bien évidemment, 80 parce que maintenant c'est 80. Ah ici ça a toujours été 80. Voilà. Donc 80, on a roulé à 80. Donc voilà mes amis, si vous voulez une TT, allez-y, c'est le moment de l'acheter. La côte elle grimpe un petit peu. Après vérifiez quand même l'historique du véhicule. Voilà. Pas acheter une voiture rincée. Nous celle-là, pour l'histoire, on l'a acheté, on l'avait 115, 116 000, on l'a acheté sans voir. C'est un petit peu risqué, je vous le déconseille. Mais bon, après, il y a un historique quand même. Il y a un peu d'historique. Le monsieur, de toute façon, c'était un pro qui vendait beaucoup de voitures. Donc, il nous avait dit que si jamais ça ne plaisait pas, on rendait la voiture et il nous rendait les sous. Elle a un peu d'historique. On a regardé sur Istovec. Pas de kilomètres trafiqués. Par contre, chez Audi, ils ne trouvent pas l'historique. En fait, ils ne trouvent pas l'historique, on ne sait pas pourquoi. Même Audi France. Ah ouais, même Audi France. Voilà, elle est reconnue dans le réseau, mais ils ne trouvent pas de facture ou quoi. Mais on a quelques factures de chez eux. Ouais, faut pas. Est-ce que l'historique n'a pas été rempli au moment? Enfin voilà, j'en sais rien, mais voilà. C'est en tout cas, la voiture a 119 000 km. Elle est bien retenue. Bien entretenue. Pas mal traitée. Voilà. C'est vraiment une voiture plaisir. Juste cette mélodie quoi, et encore vous entendez pas beaucoup là, on peut ici parce que c'est un petit village et y a personne. Écoutez,
tout est dit quoi. Et on est en échappement d'origine. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de clapet, il n'y a rien. C'est ligne d'origine. C'est Audi quoi. Non, franchement, ce moteur là, oui, il est très connu pour sa mélodie. Très plaisant. On en a essayé une avec full tube. Ça doit être la guerre. Ah, alors là, les amis, on était derrière avec mon père, je crois. Ouais. Et bah, déjà, on se demande bien comment on est rentré, puisqu'on était comme ça. Mais. Non, le coffre était ouvert. voilà, en fait, on ne s'entendait pas derrière. On parlait avec mon père et on ne s'entendait pas. Donc, on ne l'a pas prise. Ouais, non, une échappement libre, ça doit être la guerre sur Terre. Mais voilà. Mais après, niveau, si vous êtes du genre à reprogrammer les voitures et tout, je vous déconseille, c'est un atmosphérique. Donc, ça prend pas beaucoup de chevaux, ça prend 5 ou 10 chevaux. Ah, que ça ? Ouais, parce que c'est le turbo en fait qui fait que tu gagnes. Enfin, c'est injecteur avec turbo et d'autres paramètres. Ouais, ouais. Parce que je suis pas professionnel. Je pensais quand même que tu pouvais. Tu gagnes un petit peu. Tu gagnes, mais pas. Voilà quoi. Tu gagnes un petit peu, mais voilà. Ah, tu vois, j'aurais pensé que tu pouvais prendre facile. Pas 50 chevaux, mais. Pas turbo, pas de grosse prise. Ouais, t'as pas de suralimentation, du coup, c'est mort. Voilà. Et après, il y a des gens qui prennent ces moteurs-là, qui font des grosses prépas et qui montent à 700, 1000, 1200 chevaux. Ouais. Bloc forgé, tout ça, chacal. Il me semble que il y a un ami à Cram qui a une Golf 4 R32 préparée à 1000 chevaux. Comment il s'appelle déjà? Ah, ben c'est le préparateur de chez Shift Tech. Medo voilà. qui a une Golf R32 qui fait, si je dis pas de conneries, pas loin de 1200 chevaux. Et c'est le même moteur en fait, ça vient d'une. Ouais, c'est un V6. Hein. C'est un V6. C'est le même moteur que sur la R32. Bah la TT forcément. TT, Audi A3, 3 litres 2. A3, 3 litres 2. Audi A4, A5 aussi, ça extend 3 litres 2. Alors, les S3 de la 8L. Non, ça c'est du 2 litres aussi. Non, un litre 8, c'est un litre 8 celui-là. Un 4 cylindres, un litre 8. 5D. Ah ouais. C'est du 1 litre 8. D'accord. Après, Audi A4, B8 et Audi A5 de la même catégorie, enfin de la même année. Ouais. Ils ont le 2,5 litres. D'accord. Ça fait un petit peu veau parce que c'est beaucoup plus lourd qu'une TT. Ouais. Mais c'est un moteur plaisir, encore une fois. Comme vous pouvez le voir, notre belle campagne qui défile et nous sommes dans les limitations. Mais voilà, les gars, du coup, bon, bah, on a fait un peu le tour de la voiture. Je pense que là-dessus, on peut se dire abonnez-vous à la chaîne. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Quelle voiture vous aimeriez voir. Si vous avez une voiture à nous présenter, vous pouvez nous contacter, que ce soit par mail, par Insta ou tout. Mail, Insta, Facebook, parce qu'on a les réseaux, enfin on a tout ça. Vous pouvez nous contacter là-dessus avec plaisir. C'est bus, je vais à gauche ou à droite? Va à droite. Tu connais le chemin? Oui. Donc on connaît le chemin. J'ai la tête. Un homme n'arrive pas à faire deux choses à la fois. C'est, on peut pas faire les deux trucs, nous. C'est compliqué. Donc abonnez-vous, les amis. Ça nous fait plaisir. On est 250 et des points. À l'heure actuelle, on frôle les 260. Alors ça peut paraître con, mais nous on kiffe en fait. Ça nous donne encore plus d'énergie. Non, c'est là où on a fait. On a enregistré combien? 4 vidéos d'affilée. On est au taquet. Ça arrive. Vous inquiétez pas. On va essayer de sortir ça progressivement. Là vous aurez eu les deux essais de nos voitures perso, donc l'Alpha en premier, la 208, et là vous aurez la TT. Il y a d'autres petites vidéos présentations qui arrivent. On va pas trop spoiler quand même. Voilà, mais des trucs qui sont pas communs. Je vous dis juste essence 420 chevaux préparés. 420 il me semble. 400 ou 420. Enfin 400. 400XX. 400 plus. Non, là il va y avoir du lourd. Aussi, truc, voiture pas commune, pas ultra puissante, mais petite voiture plaisir. Voilà. Voilà. Il y a quelques petits trucs sympas. Voilà, il y a. Non, il y a ce qu'il faut. Ça, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et voilà, les gars. Du coup, je pense que là-dessus, on peut se dire à la prochaine. Abonnez-vous, laissez un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager. Aussi, partagez. Ah. Putain, je suis pas encore un bon youtubeur. Ah non. Et n'hésitez pas à aller regarder nos vidéos si vous êtes fan de detailing ou si vous voulez même apprendre un peu plus sur nous. De toute façon, les liens vers les vidéos seront en description et dans la fiche en haut à droite de la vidéo.
qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ciao les gars, salut. Salut les amis. La pleine nature de la Seine-et-Marne, de toute beauté. Mais de temps en temps, il y a du bitume et il y a des cons. Chez KS Car Passion, quand on fait des tournages en pleine campagne et qu'on prend la route, bah on laisse les cache-plaques. Parce qu'on est vraiment des connards. Imagine gros, on passe par les cuves.